Salut à tous, petite vidéo rapide pour vous faire découvrir mon dernier achat. Comme vous le voyez sur l'écran, vous devez en dire, c'est la démo de FIFA 13. Aujourd'hui, Micromania m'a contacté me disant qu'il vendait le FIFA 13, donc que j'avais réservé. Donc je suis allé le chercher et j'ai eu une petite surprise, c'est-à-dire j'ai eu un petit t-shirt, franchement qui est portable, contrairement à beaucoup de t-shirts de jeux vidéo qu'on reçoit des fois gratuitement, celui-ci est portable. Donc, Join the FIFA, Join the Club FIFA, en sachant que c'est une taille M, et je crois que c'est des tailles uniques qu'ils reçoivent. Donc, si vous êtes trop petit, vous pourrez dormir avec, ou trop maigre, vous pourrez dormir avec. Si vous êtes trop grand, vous pourrez le donner à quelqu'un, un enfant, n'importe. Taille M, ça va, c'est pas trop grand non plus. Voilà. Et donc, très bien, j'ai trouvé ça pas mal. En dehors du club où il s'est marqué 13, ça fait 13, on est d'accord. C'est un B, je le sais, mais ça fait 13, on est bien d'accord. Et bon, j'habite à Paris, je supporte le PSG et le 13, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je charrie, moi ça ne me dérange pas, mais je sais que je connais des gens, ça pourrait déranger, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ensuite, le jeu. Le voici le voilà, que je vais mettre dans la console juste après. Je ne sais pas s'il y a des installations sur le disque dur ou pas. Je ne sais pas du tout. Ah tiens, je vais le mettre. Voilà. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et juste en dessous, ils allaient dire ils offrent pas, mais à l'achat d'un FIFA 13, vous pouvez avoir cette manette. Alors, j'ai appris chez Micromania, je ne sais pas si les autres distributeurs le font, mais on peut avoir cette manette pour 5 euros. Donc, cette manette, qui est quand même, je trouve qu'elle a un super design, ça change complètement, vous voyez, le triangle qui n'est pas terminé, le rond qui n'est pas terminé, etc., etc. Elle a un super design. Elle est filaire, comme vous pouvez le constater, il y a le fil en haut dans la partie supérieure. Mais franchement, pour 5 euros, quand on sait le prix des manettes aujourd'hui, hein, qui varie entre 35, allez, entre 30 et 45, hein, selon qu'il y a sans fil, avec fil, etc. Pour 5 euros, on ne sait jamais, si un jour ça tombe en panne, vous avez une manette avec un fil, hein, c'est pas un problème. Pour moi, ça ne me cause pas de soucis du tout. Voilà. Donc, la manette, le jeu et le t-shirt. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, vérification de trophée. Donc je pense que ou les installent dans la PS3 ou ils contrôlent les anciens. Personnellement, je n'ai joué qu'à FIFA 12 une soirée. C'est un pote à moi qui me l'avait prêté, qui est passé à la maison avec. Donc j'ai eu FIFA 12 une soirée, FIFA 11, je crois que aussi, je ne l'ai pas acheté. Je crois que le dernier que j'ai acheté, c'est le 2009 ou le 2008, un truc comme ça. Donc je vais être en pleine découverte. Allez, sur ces mots, je vous dis à plus. Ah, attendez. Ça a bougé. Voilà. Bon, après, vous allez voir. Je vous ferai une petite vidéo de l'entrée dans les menus. Allez, à plus.